Objectif Santé, le magazine de la santé, avec HPM, votre partenaire santé. La périnéologie est l'association des gynécologues, des urologues et des gastro-entérologues pour trouver des solutions aux pathologies du périnée de la femme. Mais quels sont ces problèmes qui peuvent parfois gâcher la vie des patientes et comment réagir? Le docteur Lesage nous en parle. Ça concerne essentiellement ce qu'on appelle les prolapsus, les descentes d'organes. Et puis après, il y a le versant incontinence, hein, très important bien entendu. Donc l'incontinence urinaire, hein, un motif de consultation très fréquent. Et puis l'incontinence anale, qui est un peu plus tabou encore. Ce n'est pas une maladie en soi, si vous voulez. Il y a des facteurs favorisants, il y a des facteurs aggravants dans la vie. Alors, évidemment, il y a toujours, on en a parlé déjà, le post-obstétrical, qui est bien sûr une période un peu particulière. L'accouchement, la délivrance par voie vaginale, les éventuelles complications qui sont liées à ça, le fait d'avoir un gros bébé, d'avoir des extractions instrumentales, sont toutes des choses qui sont bien connues, bien clairement identifiées. Bien sûr, c'est des sujets qu'on n'aborde pas avec son voisin de palier ou avec ses collègues de bureau. Donc il faut savoir, dès qu'il y a une interrogation, il faut savoir poser la question de manière la plus simple possible. Il faut consulter, j'allais dire, un des praticiens de ces... Soit son gynécologue, soit son urologue, soit son médecin généraliste, bien entendu, qui va pouvoir, au travers de son réseau, alerter, donner une adresse. Il faut savoir qu'il y aura quand même, à chaque problème, il y aura au moins une solution. Objectif Santé, le magazine de la santé, avec HPM, votre partenaire santé.